J'ai le plaisir aujourd'hui de vous faire découvrir un vin de Bordeaux. On est sur l'appellation des Graves, sur le château Tourteau-Cholet. La particularité de ce château, c'est qu'en 2012, il a eu la reconversion HVE 3, donc c'est-à-dire la plus haute distinction, et ça a été le premier à l'avoir obtenu sur l'appellation des Graves. On est sur un très beau millésime, qui est 2015, et on est sur un assemblage de Cabernet Sauvignon, Merlot, et il y a aussi le cépage Petit Verdot. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a une belle couleur, bien riche et bien structurée, avec ce reflet un peu grenat qui montre un peu cette note d'évolution. Au niveau du nez, bah, je retrouve le côté mûr, cassis, le côté clos de girofle, la note aussi de torréfaction, et également une note de pruneau, c'est assez encore une fois, cette note d'évolution par rapport au millésime, ce qui est tout à fait logique. En bouche, on a un vin qui commence déjà à être abouti, mais il y a encore des tanins un peu structurés et une très très belle longueur en bouche. Il n'y a pas du tout d'agressivité au niveau des tanins. Par exemple, on retrouve un petit côté épicé à la fin de bouche, ce qui permet en fin de penser tout de suite à des viandes de bœuf bien structurées, voire même un magret de canard au poivre. Et là, vous serez heureux avec cette cuvée. En tout cas, je vous souhaite une très bonne dégustation.